est revenu, il est revenu, il est revenu. Bah c'est bien, t'as eu le temps de faire une brochette. Putain, sérieux? Non mais c'est pas assez. Ah bah... Un gland. Ah c'est compliqué la game, non hein. Je suis pas d'accord. Hein. J'ai pas eu. Je vais mourir. Comment on utilise la foudre? Ça, je veux bien savoir si vous avez la réponse. Comment j'utilise la foudre? Tu vois, j'ai de la foudre en haut là. C'est pas en passant par ton inventaire, t'as la petite boule qui dit que tu as ce pouvoir. Non. Pourquoi? Ça? Non, pas là. Dans ton inventaire. Non, toujours pas celui-là. L'inventaire là où il y a ta bouffe et tout. Là, regarde. Oh. Ah bah oui. Voilà, maintenez Y enfoncé. C'est pas merci. Comme ça qu'on l'avait, mais au moins, on sait comment faire. Ok, merci. Maintenez Y enfoncé autour de vous. Si je le pète comme ça, au final. Lasagne ne vous a pas répondu. Oh bah mince alors, c'est pas très gentil, Lasagne. Il est où? Ah, j'ai vu. Putain, il se barre. Bah oui, à chaque fois que je descends, putain, je déteste. Putain, sérieux? Oh là là, c'est terrible, hein. Je veux juste faire à bouffer, en fait. Laissez-moi faire à manger! Là. Vite. À manger, à manger, à manger. On va prendre. Ça. Lasagne l'entend pas car Lasagne l'a déjà mangé. Énorme. Vous êtes monstrueux. Là. Non! Putain! Oh, c'est terrible, hein! C'est terrible! C'est terrible. Là-bas! Il est loin en plus! Là! Ah, moi j'ai une théorie! Quoi? Je pense qu'il faut que tu le fasses se cogner contre les espèces de piliers parce que regarde, les cailloux sont pas. Ils ont l'air d'être séparés, donc je pense que s'il tape dans un pilier, il se prend le caillou dessus. Oh, vas-y, on va tester. Essaye de siffler pour l'attirer. Hey, Moldacor! Hey, Moldacor! Ou balance des trucs, parce qu'il a tout à l'heure, quand t'as balancé la bombe sur le sol, il y a eu un petit point d'interrogation, en mode il t'avait entendu. Oh! Oh, sérieusement? Il fait le tour en fait. Vas-y, Moldacor, je te trouve charmant en fait. J'ai l'impression que tu sais que c'est une pupe. Mal d'accord, il met tout le monde d'accord. J'aime beaucoup. Là. Vas-y. Il s'est passé un truc là. Là, là. Non, non. Il se barre? Si tu tapes sur le... Ouais? Avec une épée ou un truc comme ça, si tu tapes sur le caillou qui est le plus en bas. Je pense... Attends, je voudrais juste tester un truc aussi. Ah, tu veux le bloquer, attends, tu vois. Non, ça se bloque pas. Et si je lui saute dessus? Je lui mets un one punching, let's go. Je pense qu'il faut que tu restes en bas pour qu'il t'entende en fait. Non, attends, regarde. Ah ouais, mais je pense qu'il n'y a pas assez de distance pour la switch. Après, j'avoue qu'il y a pas mal de cailloux, donc c'est que ça doit servir. Hein. Attends. Je pense qu'il faut que tu l'attires en bas en fait, en tapant sur les cailloux ou un truc comme ça. Parce que tout à l'heure, il a... Là, regarde, attends. Par contre, Luc. Non, ça marche pas. Non, il faut qu'il se fasse. Oh putain! Oh, aïe, oh, aïe, oh! Là, il t'entend en fait.
Mais je pense qu'il faut que tu te réfugies sur les cailloux. Ah, ah non mais viens pas quoi, merde, on est déjà en galère. Non. Caillou. Gavin. Oh attends là. Il se passe un truc avec la bombe hein. Ça l'attire en fait. Le bruit l'attire. Ah non, attends, il la mange ? Attends, je crois qu'il mange la bombe. Ah ! Oh, attends. Parce qu'il a sauté plusieurs fois, mais j'avais fait péter la bombe avant. Je crois qu'il mange la bombe. Donc en mangeant la bombe, put. Tu peux faire exploser la bombe à l'intérieur de lui. Ouh, squalala, la bombe est partie. Non. J'aime bien la musique. Oui. Là, mange. Mange tes morts. Ah, tu vois là. Bombe. Bombe. Bomba. Ah bah putain. Wouah. La musique a changé. Oh, la vie qu'il a, le bâtard. Oui. Eh ben purée. Tu m'étonnes que la nana, elle expliquait que c'était galère à avoir comme... Ah ouais. Comme truc. Putain, mais il se soignait tout en plus. Bah oui, hein, on est en expert, donc forcément ça se soigne, ces bâtards. Putain, c'est vénère ça, hein. Putain, la musique est trop bien. Ouais. Oh putain, non ! Au violon, un peu comme ça, ça me fait beaucoup penser aussi à Professeur Layton. Ouais, ça a vraiment de la gueule. Mais je pense qu'il faut de la bouffe hein. Là il est survénère et tout en plus. Là encore il y a une strat pour se le faire. Là. Yes. Bah oui, on va pas utiliser les bonnes armes. Quoi, épée de légende, vas-y. Go, barre-toi. Boum, barre-toi. Petit Link ou... Ok, vite. Vite. Oui. Vite. Ah. J'ai cru que tu m'appelais. Tu vas... Oui. Ah putain, attends. Attends, ça y est, il l'a rebouffé direct. Mange tes morts. Oui, littéralement. Oh ouais. Attends, j'ai une idée. Là. Oh putain, ouais. Yes. Oh mon pote. Pouf. C'est la mort qui t'a assassiné. J'ai pas pris en photo. Oh.
Et voilà. Merci pour les GG. Franchement, c'était super vénère. J'ai kiffé. Très très sympa le... Ah ouais, super stylé. Yes, les fameuses viscères de... C'est ça qu'on avait besoin. Ouais. Ah franchement, c'était cool hein. Ça fait plaisir en fait d'avoir un autre boss assez vénère, tu vois, en dehors des donjons et tout. T'as trop l'impression que c'est... Y a que les donjons et vu comment c'est un peu facile les donjons. À part le boss là, le boss précédent effectivement il est dur. Mais de ce que j'ai l'impression, c'est un des plus durs, tu vois, donc... Ouais. Faut voir, hein. S'il y en a pas d'autres, c'est frustrant quoi. Lolo. Je voulais juste voir un tout petit peu dans le désert. S'il y avait pas des trucs. Après t'as les Lynel aussi hein. C'est vrai qu'il y a Lionel aussi à se faire. Ah t'as raison. Ouais il y a des zones friches. Ça c'est pareil hein, ils doivent pas être... Ouais ouais je pense qu'ils doivent être bien vénères les Lynel aussi. Hein. C'est ça. Ouais. Ouais. Et tu vois il en faudrait dans les donjons des Lynel. C'est stylé. Imagine. Bah comme je te disais c'est que sur les créatures mythiques, la Spestias Divinas. Ah bah oui. La difficulté elle est plus dans les puzzles en fait du truc. Ils ont pas envie que le joueur se... Ouais mais quand tu joues en mode extrême t'es censé avoir déjà fait ça tu vois genre... Enfin sauf pour nous mais... Pour les gens. Des bisous Foxou, bon app. Bon appétit. Pas tarder non plus à manger. On fait encore quelques quêtes et on go. Je mange avec toi ce soir tranquille. T'inquiète meuf. Donc, tu me dis dès que on tu veux... Regarde. Alien vs Predator 2. Non, on se regarde Covenant. Oh. Ah non, laisse-moi tranquille avec tes films de merde. Hein. Laisse-moi regarder des vrais films, s'il te plaît. Elle dort. Oh, elle dort. Il me faut du feu, il me faut du feu, faut que la crame. Y'a pas de feu. Merde. Ah putain, comment je dors. Y'a une auberge. Je vais payer, je vais payer pour un truc gratuit. Oh, on va faire ça, regarde. C'est mieux qu'une auberge. Faire un feu au milieu du... Il est interdit de faire des feux sauvages. Tu vas regarder. Il se brait, et voilà, on fait dodo. Là, je vais pas dormir pour ton auberge. Hein. Je peux dormir à côté sur le carrelage, pourquoi je fais ça? C'est genre trop ça, quoi. Allez. On est bien, on est bien. Alors, où es-tu? Putain, c'est barré. Ah, c'est vraiment barré. Bah. Ah, c'est elle. Ça va. Je vois pas ce que c'est le confort. Ça va. C'est moi. Oh, c'est toi. Ah, c'est toi. Oh, tu sais, mon mari est vraiment un voyou extraordinaire. Il est aussi fort que moi, et il m'aime comme je suis. Il me faut à tout prix ce viscère de Moldakor. J'en ai plein. Et toute seule, je n'en sortirai pas vivante. Tiens, un cadeau. L'autre réponse est comme ciao. Ouais. Qu'est-ce que horrible. C'est un viscère de Moldakor. Pas une. Non. Oh, c'est pour moi. Ouais. Sac. Ouais, mets-le dans ton sac. Je n'ai rien de mieux à t'offrir, mais je te l'offre de tout mon cœur. Ça va. Il est sauvé. Sauvé. Ah, quand même, les quêtes, ça apporte pas grand chose. Hein. Bon, 300, c'est bien, hein, c'est bien. Ouais, c'est quand même. Non, c'est bien, mais c'est juste que l'argent, j'en ai pas trop besoin. En tout cas, pour l'instant. Y'a pas que l'argent dans la vie, tu sais, Alzaï. Hein. Y'a la reconnaissance. Hein. C'est important. Ça va avec l'argent. T'es reconnu. L'argent. Moi, bon, un exemple où c'est pas vrai. Vas-y. De quoi? Dites-moi un exemple où c'est pas vrai. De quoi? Que je viens de dire. J'ai pas entendu ce que tu as dit. L'argent va avec la reconnaissance. Ah, non. Voilà. Alors. Quête suivante. Les énigmes d'Hyrule. Ouais, les légumes robustes et originaires du village de Cocorico. Ah, il y a ça. On peut aller au village... Cocorico. Il est où? Il est pas en bas. Il est là. C'est quoi? C'était les carottes pourtant, mais on avait pas les bonnes carottes. Oui, c'était. Je crois qu'on avait carottes vigueur et fallait carottes armo ou un truc comme tempo. Ça. Tempo. Ouais, ou tempo. Oh putain, ouais. Carottes tempo. Eh ben oui. La carotte de toutes les carottes.
La carotte tempo. On va se faire carotter. Poil de carotte, tempo. Poil de tempo. Je sais pas ce que je dis. Je fatigue et j'ai faim. C'est terrible. Ouais, je le sens. Et donc du coup tu deviens incohérent. Tu sais que le inco, j'ai cru que t'allais dire un connard. Je sais pas pourquoi, j'étais... L'insulte gratuite. C'est waouh, c'est pas très gentil, mais bon... Attends. Photo, photo. C'est pour la quête. Après, là, maintenant, faudrait que je le tabasse, en vrai, il donne des rubis. Ouais, c'est déjà ça. Après, bah, barre-toi, barre-toi. Donc là, on a ça. En fait, il y a deux Korogu qui me demandaient des quêtes, en plus. Donc là, et là, on doit choper des carottes. Je peux pas les chourer, en plus. C'est nul. Là. Et là, c'est celle-là. Carotte. Ah. Non. Tempo. Non. Une. Après, c'est les carottes, c'est pas les... Les potirons, non, je crois que c'est les carottes. Hein. Ok. Ça me ferait chier d'y aller pour rien. Donc là, on va ici. Korogouland. Et comme ça, on fait les deux quêtes en même temps, en plus. La carotte et la photo. Que je crois qu'on nous en demandait d'autres, en plus. Ouais. Donc, avec un peu de chance, on les aura, mais... On y va petit à petit. Enfin, les aura, c'est pas au même endroit, mais... Exact, ouais, fais attention, hein, faut pas confondre. Hein. On range pas les auras et les korogu dans le même panier, madame. Oh, putain. Voilà. Et les carottes non plus. Hein. On mélange pas les auras et les serviettes. Les auras et les... On mélange pas les auras et les oranges. Ça a de moins en moins de sens quand tu parles. Est-ce que j'en ai assez? Arme. À 35, hein. Oh, le lac de la zone, regarde. Je sais pas pourquoi, mais le jeu déteste cette zone. Il déteste les forêts. C'est vrai. Oui. Ami Hero, tu as trouvé une image représentant un Rémi? Ah ouais, c'est mieux que quand t'es malade, j'avoue. Tiens, mange. Il a entendu, il m'a entendu parler, il a fait c'est quoi ça? En fait, ça t'arrive souvent d'avoir besoin de rubis, pas vrai? Bof. Si un jour tu en as vraiment, 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 vraiment besoin, tire une flèche sur un rumi. Ah, c'est ce que j'ai fait. Ah, c'est ton micro qui s'est déco. Tu peux relire la dernière phrase? Oh là là, comme je suis content que tu m'aies montré cette image. Si content. C'est bon. Ok, donc ça c'est fait. Faut que je monte. Tout là-haut. Faut lui donner sa carotte de ses morts à l'autre là. Oh, oh, la grosse bouche. Je sais plus si tu avais fait... Non, toujours pas Kenner. Pas du tout. Mais je le ferai en solo. Il faut que j'ai le temps. Enfin, t'as bien vu comment c'est un peu le bordel des streams Zelda en ce moment. En bien, hein. Mais heureusement que tu m'en reparles parce que tu vois, j'avais oublié. Donc tu fais bien. C'est un nez, ça, je me connais. Ah, il est tellement haut l'autre là. Tu peux utiliser ma prière à tout moment. Ouais, quand je meurs quoi. Ouais. C'est pas exactement ce que j'appellerais à tout moment, tu vois. Ouais. Non.
Des petites fées de raise. Oh. Tiens, t'es... Non. Là, il faut que je mette... La carotte. Originaire du village de Cocorico. Pose sur cette paille l'objet qui correspond à l'indice. Si c'est la bonne réponse, je danserai. Mais si tu te trompes, je... Bah, c'est pas ça. Ou alors tu l'as pas bien mis, mais... Ouais, je sais pas. Bah... C'est pas... C'est... Bah, c'est pas ça. C'est le... Attends. Bah... Je vois un chat faire du pole dance, je me demande comment ça se fait que vous avez ça chez vous. Un chat? Bah, on a décidé de l'adopter, parce qu'Alza, il voulait un chat. Voilà. Mais c'est très fréquent hein, d'avoir des chats chez soi. On en avait déjà un même avant. Hein. Mais elle faisait pas de pole dance. Ouais, mauvais chat. Ouais. On l'a revendu. Ah bah pour le chat. Bah parce qu'on a des chats de pole dance, donc c'est logique. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a revendu l'autre, parce que on n'allait pas garder une barre de pole dance sans chat de pole dance. Voilà. Ça aurait pas de sens. Donc on a préféré... revendre le chat plutôt que la barre. Enfin, c'est logique, quoi. Non ? Ah, oh, merci, Kitsu. Merci, Kitsu. Sinon, pour te répondre, ouais, c'est moi qui fais de la pole dance, en fait. Je sais pas si tu peux parcourir la luna. Oh, terrifiant, regarde ça. Laisse-moi dézoomer un petit peu. Il faudrait que j'arrive à trouver comment zoomer ouais. Dézoomer facilement. Et pour l'instant, j'en suis pas capable, donc je vais faire comme je peux. C'est ça. Attends. Putain, comment il a calé son cul, Castiel. Par contre, je sais pas si tu captes. Il non. A genre une jambe de chaque côté de ton épaule, mais qui pende. Attends. Excellent. Hop, hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Vas-y. Ah putain, ouais, je vois là. Ok, ok. J'en reviens pas, il est trop calé en vrai. Jusqu'à ce que je gueule, il est trop calé, tu vois. Oh, putain, ouais. Stylé. Non, on voit pas. Tiens, je peux pas montrer bien. Enfin, vous le voyez façon à la cam. Putain, c'est ouf, hein. C'est trop agréable en vrai d'avoir Castiel qui se met comme ça. Ouais. Ouais, il est habitué à se caler sur les épaules. C'est vrai qu'il y a tout le monde. Oh, c'est pas tous les jours qu'on voit un jeune gaillard comme toi dans ce village. Mais dis-moi, t'es pas un de ces igaces au moins, hein? Ce qui m'agace. Je plaisante, j'aime bien rigoler, moi. Tu avais un air aussi sérieux que je n'ai pas pu m'empêcher de te taquiner un peu. Nous appelons igaces ceux qui ont juré fidélité au fléon Gano. Ils n'ont aucune pitié envers ceux qui s'opposent à Gano. Depuis le séisme de l'autre jour, il semble plus actif. Mais je ne pense pas que tu fasses partie des Igas, le gang. Même moi, je le vois bien. Ah, ne m'en veux pas, hein. Tiens, je te donne ça pour me faire pardonner. Oh, merci. Cette citrouille Armo est la spécialité du village Cocorico. Hein. Je l'ai cultivée avec amour et tu verras, c'était un régal. Si tu en veux d'autres, je t'en donnerai avec plaisir. Tu n'as qu'à venir me voir quand je suis sous mon potager. Et voilà, on a la citrouille. Je pense que c'est ça en vrai. Allez, mange tes citrouilles. On est en train de faire des quêtes de merde. Wow, trop mignon. Et le dodo. J'ai mis sur Luna la caméra. Sans balestec. Oui.
Pour l'instant, non, on cherche pas de modo. De modo ? Non. On en a déjà pas mal et tout. Et j'ai un modo à voir aussi, d'ailleurs. J'ai complètement oublié, j'ai pas eu le temps. Mais c'est gentil. L'épée oui, des légendes. On l'a récupéré. L'épée des modos ou l'épée des légendes de... Yoi ! Ah ouais, tu fais bien, tu fais. C'est vrai que c'est agréable d'avoir les deux chats là. Ouais. En fait, depuis tout à l'heure, ils étaient un peu là, tu vois. Il y avait Castiel qui était dans l'arbre à chat. Il y a Luna qui est avec nous là depuis. C'est cool, elle se met sur le bureau maintenant tranquille. Ouais. Ça fait du bien quoi. On a mis un plaid en fait sur le bureau et c'est un vrai aimant à chat, ça. Ouais, quand même. Et coucou, toi. C'est... Ça c'est la Castiel zone. Attendez, je change un petit peu de chat. Mais non, mais joue pas au con, Castiel. Va te faire foutre, hein. Ah, j'ai compris, hein. Cul de chat. Ma mère bientôt pourra me faire ma carte bancaire. Mais c'est bien ça. Putain, ma première carte bancaire, c'était dingue en vrai. Ouais. Tu t'en rappelles toi de ça un peu? Bah moi j'avais une carte de retrait en fait avant ça et c'était déjà très très cool. Stylé en vrai. Ah, je suis passé direct à la carte bancaire. Ouais. Je crois que je l'ai eu vers 16 ans. C'était trop cool. Franchement. J'avoue que ça pour le coup c'était le kiff de l'avoir. Ouais. Non, putain! Ouais, 15-16 ans, c'est pareil. Ah! Une citrouille Armo! Loudi noir! La danse de la bonne réponse! Question suivante! Quel champi pousse dans les régions chaudes et pimente les plats qui en contiennent? Le champi piment? Ouais, oh, tout va bien. Merci. Quoi? Non, Castiel. Ah oui, il essaie de se barrer. Non, il a grimpé sur mon casque, ce connard. Ouais, plus bas, non. Attention, champi piment. Bah oui. Un champi piment. Pardon. Non, dis-moi. La danse de la bonne réponse. Oh putain. Question suivante. Quelle truite rend plus résistant au choc électrique? La truite électrique. Oh, il m'a défoncé le casque, il m'a défoncé l'oreille. Ah, tu m'étonnes. Volt. Tu vois, une barre de Bolden, ça fait pas ça. Ça fait pas ça. Une truite Volt. Non, d'une noix. La danse de la bonne réponse. Question suivante. Oh, celle-ci sera la dernière. Prépare-toi au pire. Ça a beau être un ongle, ça n'y ressemble pas vraiment. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Un ongle? Ce n'est pas un truc de troll, ça ou... Ouais, c'est ça, un ongle de géant, je pensais. Qu'est-ce que tu fais? 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 Je pensais ça, tu vois, ongle d'inox. Ouais. Ah non. Ça a beau être... Attends, ça a beau être un ongle, ça n'y ressemble pas vraiment ou c'est... C'est ça qu'il a dit, hein. Ok, bon app, Kitsu. Ouais, griffe de Lézaros aussi, j'imagine que ça peut marcher. Ah oui. Non, c'est pas un ongle, ça. Ouais, ça a beau être un ongle, ça n'y ressemble pas vraiment. Peut-être qu'on l'a pas encore, hein. S'il faut, c'est sur les linelles ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Bizarre, ongle d'inox, je m'attendais vraiment à ça. Visser. Une vis? Ah, j'ai rien de plus, hein.
Ça doit être un truc plus rare. Ça a beau être en ongle, ça n'y ressemble pas vraiment. C'est un ongle, donc il y a marqué ongle dans la logique. Ouais, j'imagine, vu qu'il y a ongle de d'inox, donc ça doit être une autre créature. Il y a peut-être des ongles d'autres créatures. Hein. On reviendra pour celle-là. Ouais. Alors attends. Remettre glagla. Moi ça on sait faire ça. Un insecte très froid, un morceau de monstre. Ok. C'est trop dur. Oh, un morceau de brûle. C'est où? C'est là. On peut se TP à ça? Non. Ah putain, non, sérieux? Non, sérieux? Deg? Ah, oh, je suis deg. Ouais, comme ça on élague un petit peu les quêtes secondaires. C'est pas mal, hein. Hein, mais. Désolé, je réponds à 2-3 trucs pendant que. Vas-y, ça marche. Il y a la transition. Oh là, t'as le temps. Putain, on a fait 69 temples en vrai. Ça allait super vite. Bah, c'est vrai, genre les 30 premiers ils étaient longs. Mais là, je trouve qu'on a bien avancé, tu vois, sur les temples. Alors, il faut aller. Là. Ah, tu devrais peut-être te changer après parce que tu risques d'avoir trop chaud. Ah ouais? Ah oui, putain, oui. Ah, remarque, t'as encore le pantalon anti-chaud donc. Waouh, anti-chaud. On peut le faire. Mais t'es vraiment à la limite, c'est pour ça. Je suis pas sûr en vrai. Parce que je crois que ça marche pas. C'est le bonus de 7 qui me fait la. Ah ouais, d'accord. La réduction. Ouais, ouais, t'as raison, je vais le faire maintenant. Et je pense que là, le fait aussi que j'ai l'épée, potentiellement ça aide pas, non? Je sais pas si l'épée ça compte, tu vois. Je crois qu'on avait regardé que ça comptait pas, en tout cas pour ajouter de la chaleur. Mais je suis plus sûr. Ah si! Ah si! Si, si. Ah, ça compte de ouf! Putain, c'est stylé! Ah bah là maintenant t'as froid! Oh, oh! Et il nous en met! Mais de ouf! Voilà! Heureusement, je dis ce qu'il faut en stuff. Hein. Putain, y'avait un corogou là-bas. La la la. J'ai pas. Bah, c'est la suite de la chanson. Y'a une suite? Bah oui. C'est pas juste ça en boucle? Non. On l'a écouté en plus cette chanson. Ah oui, Breaking Up. Ah ouais, ouais, non mais d'accord. Ah mais je voyais pas ça comme ça. Attends, Libé Glagla. Os de monstre. Non, non, tu ne vas pas là, toi. Remède Glagla. Voilà. C'est qui me le demande? Ah mais pose-toi, bro. Qui est pouillon, ce chat? Que faire, que faire? Mais... Il vient de se poser. Ça va, ça va. C'est comme ça que les Gerudo disent bonsoir. Oh, ne me dis pas que... Vas-y. Voilà ton remède. Ah, merci du fond du cœur. À présent, je vais pouvoir traverser le désert de jour. Tiens. Voilà pour toi. La 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 la. Oh. Sac sac, hein. C'est comme ça que les Gerudo disent merci. Sac sac. Un gros bol de fraîcheur. Ok. Tranquille, hein. Les trésors des Gerudo. Masque du tonnerre, ouais. Régler tous les problèmes des habitants. Baguette de feu, la terre foutre. Que fameux. Oh, il m'a énervé, ce gamin. Bah, en vrai, J'ai pas d'autres quêtes, alors peut-être que je les ai pas toutes prises, tu vois. Je pense que pour la cité de Gerudo, on a pas dû toutes les prendre. Pourtant, on a parlé à tous les PNJ de la cité. Je vais aller parler à la meuf. On va voir, hein. S'il faut, je les ai, hein. Non? Ouais, ça coûte rien d'essayer, sinon on essaiera de refaire les... Tu veux qu'on arrête peut-être, parce que là, t'as l'air... Non, ça va. On avait fait le truc de la pastèque. Mais je sais pas s'il y avait pas de quête la dernière fois. Ah. Mais la gamine, elle voulait des graines. Peut-être que j'ai foiré un truc, attends. Je vais aller voir. Parce que je crois que la gamine voulait des graines,
Elle dort là, hein. Oh putain, elle dort. Eh bah ouais, c'est l'heure du dodo, encore. C'est ce que dormir dans la rue. Putain, plein milieu, tu sais. Oh là là. La vieille clocharde, là. Ah, de ouf. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut voir Castiel, c'est vraiment le moment, parce qu'il est juste à côté de moi, et c'est très drôle. Voilà. Si vous... extrêmement casse-gueule, vu comment il s'est mis. Ouais, si vous avez des points de pastèque à dépenser, c'est maintenant. Oh. Vas-y. Oh, ça va, copine qui vient d'ailleurs. Sniff, moi, tout ce que je voulais, c'était un petit potager pour planter des fruits. J'avais tout bien nettoyé, tout bien désherbé, tout bien fait. Mais l'eau... l'eau est toute pleine de saleté. On peut pas s'en servir tellement elle est toute sale. Et moi, je peux rien faire pousser du tout. Vixen, en enfant, ça devait être... Des bisous, Drari, ça marche. Bon, bon appétit. Je pense pas qu'on se reverra parce qu'on va pas tarder à arrêter. Mais à bientôt. Bah go Ouais, faut qu'on remonte à la source du problème. C'est une montagne. Après ça va, à l'eau sale... Ouais, à l'eau sale, il y a juste des morceaux de pastèque, quoi. Faut se calmer, hein. Faut dédramatiser. Hein. Ouais, de ouf. Tout bon, ça empêche pas de... Yam yam. Eh, t'as fini de me regarder comme ça? On peut même plus manger tranquille maintenant. Allez, ouse du balai. Oui, elle galère, mais... hein. Tu galères à chaque fois, hein. Ouais, 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 j'y pense pas. En fait, tu emmerdes la petite, là. Quoi? Comment ça? Des saletés? Une petite vaille, tu dis? Eh, qu'est-ce qui te prend de venir m'embêter avec ça, tout à coup? Je fais encore ce que je veux, non? Eh, on est dans un pays libre, non? Hein? Eh, hey, liberté d'expression, connard! Laisse-moi manger mes pastèques ici! Voilà. Ah, ça va, et pas la peine de me regarder comme ça, j'ai compris, hein, je vais les manger à côté, hein. Tu devrais me rendre un service, toi aussi, hein. Putain, vous commencez à me... Ouais, de ouf, hein. Depuis toujours, je rêve de manger des baies. J'ai tout mangé, les baies. Oh, l'ami bébé. Si tu m'en apportes, je promets que j'arrêterai le melon. Marché conclu. Oh. Eh, baies, pousse dans les... Oh, ta gueule. C'est un endroit dangereux et rare, sont les marchands qui sont prêts à risquer leur vie pour s'approvisionner. On en a pas? Ah, j'ai oublié. Tu dois m'en apporter beaucoup, hein. Sinon, elles seront toutes englouties en une seconde. Voyons voir. J'en veux 10. Minimum, hein. Si j'ai pas de baie, je pète un câble, j'arrête le stream. Parce que je les ai bouffées pour le monstre. Ça va. J'avoue n'y avoir pas beaucoup réfléchi, mais... J'aurais jamais cru que quelques malheureuses écorces de melon poseraient problème à qui que ce soit. Ouais, bah moi j'aurais pas pensé non plus, mais cette gamine a l'air pas super fut-fut. Ouais, j'avoue. Elle est un peu con, désolé. Je suis désolé pour cette petite vaille. Mais à moins que tu m'apportes 10 baies, j'ai pas l'intention d'arrêter. Je suis désolé, hein. Je suis désolé de la faire souffrir et de la rendre malheureuse. Mais moi je veux mes baies, hein, sinon j'arrête pas. Moi je veux bouffer des pastèques. Genre la connasse ultime, quoi. Mais ouais. Tiens, mange pute. Oh. Vraiment ? Tiens, mange tes baies. Ouais. Un point dans tes baies, quoi. Oh, c'est tellement bon! C'est donc ça une baie! Non seulement elles sont délicieuses, mais elles n'ont pas d'écorce à jeter, c'est vraiment le fruit parfait. Maintenant que j'ai découvert ça, j'ai plus besoin d'autres fruits dans ma vie. Pour tout avouer, je me sens un peu coupable. Maintenant que j'ai eu ce que je voulais, je me rends compte que j'ai été odieuse avec cette petite vaille. Ça va, odieuse, calme-toi, ça, c'est du... Si, elle a été odieuse. Ouais, après c'est une vraie conne, mais... Bah voilà. Je vais l'aider à tout nettoyer pour me faire pardonner. Quant à toi, tu m'as été d'une aide précieuse, sac sac, hein. Non, c'est vrai que c'était une vraie conne, mais oui. De là à dire c'est méchante et tout, ça va, elle mangeait du melon en haut, quoi. Bah, ça c'est pas le problème, c'est qu'elle est en mode non, je me casserai pas, quoi. Et ouais, ça c'est une... C'est... Voilà, donc si, quand même. Ouais, non, c'est une connasse, mais une connasse pas de base. Oh, et écoute ça, il y a une gentille vaille que j'avais jamais vue qui m'a aidé à nettoyer les saletés. Alors maintenant, l'eau est toute propre. Je suis sûre que c'est toi qui lui as demandé de venir m'aider. Sac sac, t'es super gentille. En plus, tu sais quoi? Elle m'a donné des melons glagla. Je vais t'en donner à toi aussi, parce que tu m'as bien aidée. Oh,
Oh, et puis la vaille qui m'a aidé à tout nettoyer m'a aussi donné des baies. Stylé, ça je pensais pas. J'ai décidé de les planter pour en faire pousser encore plus dans mon potager. Comme ça, tu pourras venir en manger quand tu voudras. C'est une bonne idée, hein. Alors ça, pour le coup, ouais, c'est super sympa. Ouais, à part le fait qu'elle ait dit que ça va pousser que dans les endroits extrêmement froids. Bah oui, froids, ça peut pas. Ça peut pas pousser ici, quoi. Oui. Bah tu vas avoir une mauvaise surprise, gamine, hein. Prêt? Attends, je vais aller voir là-haut. Peut-être qu'on a. Peut-être qu'il y en a juste des nouvelles, c'est en ayant fini aussi. Parce que je crois que cette quête, en fait, de base, elle y était pas quand on est allé la voir, tu te rappelles? On avait pas de quête à prendre. Donc peut-être qu'il y a des nouvelles quêtes en ayant fini la zone. Ah ouais, c'est possible. Quand j'ai combattu à tes côtés équipé du masque du tonnerre, j'ai eu l'impression qu'il m'appelait. Riju. Ça faisait longtemps qu'on m'avait pas appelé comme ça. Cette voix si puissante, si chaude, c'était sûrement celle d'Urbosa la Grande. Riju. Comment oses-tu appeler notre chef par son nom? Désolé. Je comprends pourquoi personne rien, t'appelle Vétera. Comme ça. Ça me fait du bien d'être appelé par mon vrai nom de temps en temps. Le masque du tonnerre est un objet très spécial qui renferme le pouvoir d'Urbosa la Grande. Si tu le veux, tu vas devoir aider mon peuple à régler ses problèmes et faire de cette cité un havre de paix. Je t'accepterai alors en tant qu'ami des Gerudo et je te confierai le masque. Ça doit vouloir dire non? Ça doit vouloir dire non, non. T'inquiète. Je crois qu'elle est là. Sérieux? Examiner. Oh, c'est une peluche de morse des sables, elle est trop mignonne! On examinera plus tard ça. Peut-être du côté de la meuf, tu vois, avec le morse des sabres de vin, là, peut-être qu'il a une quête, tu vois, maintenant. On avait fait aussi les trucs des guerrières, on avait fini. Ah, Ah, t'as raison, attends. On l'avait libéré, la meuf, mais je sais pas s'il y avait d'autres trucs après. Bah, ce qui m'étonne, c'est que j'ai plus la quête, tu vois. Ah. Mais ouais, peut-être que. Normalement, non. On va aller voir, hein. Vas-y. Qu'est-ce que vous dites? Brick a encore disparu! Oh. Ah oui, cette fois-ci, on dirait qu'elle s'est mise en tête d'aller trouver je ne sais quel fossile gigantesque au sud-ouest. Ah. J'ai tout fait pour la raisonner. Eh bien, bravo, c'est une réussite! Elle a disparu dans la nature! Je le sais bien. Mais tout de même, la zone est infestée de Moldacor, elle ne s'y risquerait pas. Sans parler de la température extrême, mortelle sans équipement adéquat, je pensais vraiment pas qu'elle partirait. Tu ne pensais pas? Cette écervelée n'a pas plus de conscience du danger qu'un morse des sables qui vient de naître. L'autre jour encore, il a fallu la tirer des griffes de ces satanés bandits. Ah oui. Bon, il va falloir faire avec. Brick sera toujours irréfléchi et vous ne verrez jamais rien venir. Mais tout de même, pourquoi faut-il toujours qu'elle se mette dans des situations impossibles? Ah là, il faut re-retrouver Brick. Ouais, c'est un peu sympa. En vrai, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire là? Tu veux stop maintenant ou on fait cette quête? Comme tu veux. Toi, tu veux continuer encore ou... Moi, ça me va de la faire en vrai. Bah, on la fait et puis on s'arrête après. Vas-y, ok. Pour retrouver Brick. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un bol d'accord, c'est cool. J'avoue. Oh, Drari. On sait pas forcément qu'on se reverrait vu le timing. Tu as mangé très vite. N'oublie pas de bien mâcher entre chaque bouchée, sinon tu risques de mal digérer. Alors, retrouver Brick, attends. Partie enquêter sur un fossile géant. Situé au sud-ouest. Fossile géant. Oh, ça fait. Regarde, on dirait une sorte d'éléphant. Éléphant dégueulasse. Ouais, dégueulasse hein, quand même, l'éléphant. Sud-ouest. Peut-être vers là. Je suis chez mes parents, c'est déjà prêt. Ah oh, stylé. Ah, c'est ça qui est bien aussi parfois avec, avec les parents. Ouais, de ouf. Après, Vic, c'est un peu madaronne parce que c'est pareil pour moi. Genre, quand c'est prêt, j'ai juste à venir. Trop bien. Ça permet de mieux. De ça plus me streamer. Rappelle ce tweet oui horrible que j'ai vu récemment où vas-y. Tout le monde se fout de la gueule du mec, mais. Balance ton cringe. Ouais, bah oui, oui, bah évidemment. Oui. C'est un mec en fait qui a pris une photo de son petit plateau repas avec. Le détail qui tue, la mandarine épluchée.
ouais. et tout, et qui a marqué ma mère m'a apporté ça sans que je lui demande quoi que ce soit, et j'attends pas moins de ma future femme. Oh! C'est vrai? Ouais. Oh, oh ouais, ah ouais, ouais, c'est balèze quand même, hein. Ah ouais. Oh, c'est vénère. Voilà. Et il y en a qui se demandent encore pourquoi ils sont célibataires. Oh putain, c'est horrible. Les gars, si vos attentes en termes de meuf, c'est une deuxième maman, restez célibataire. Restez chez votre mère. Mais c'est pas gentil pour la daronne non plus, quoi. J'avoue. Ah, c'est dégueulasse. La pauvre, là, se retrouver avec un tanguy qui a la trentaine et tout, et qui est incapable de s'occuper de lui-même. Ah, c'est dur, hein. Le cauchemar, quoi. Ça me rappelle le TikTok que tu m'as montré. C'est quoi, déjà? Le petit dessin animé en mode « Ah, c'est trop cool, maman, tu me fais à manger, et puis tu me laves mes fringues, et puis... » Ah ouais, j'ai... Et qu'à la fin, elle empoisonne le gamin. J'ai trouvé un TikTok trop drôle là-dessus, Putain, c'est excellent. C'était ça en fait, c'était genre comme le gamin, tu vois, en mode ouais, tu fais ça, ça fait ouais, ouais, c'est ça, c'est bien et tout. Et en fait, le gamin il mange son gâteau d'anniversaire, et il était empoisonné, ça fait chut, t'inquiète, ça va pas durer longtemps et tout. Maman, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas et tout. Et empoisonnement. Ça fait 35 ans là que t'es là, ça, c'est... Ouais. Ça c'est trop pour moi. Putain, 35 ans ça fait beaucoup, t'imagines, ouais. En vrai, ça va, tu vois, si tu t'en occupes, enfin, si tu t'occupes aussi un peu des trucs et tout, ça passe, mais. Ouais, si tu. Quand tu vois mon oncle par exemple qui, ouais. Qui bon techniquement il a un appart mais en vrai il vit 90% du temps chez mes grands-parents. Ça compte pas. Mais c'est parce que oui mais voilà ouais. Mais il est jamais vraiment parti de la maison en fait. Ah ouais mais ça compte pas parce que lui il s'occupe de tes grands-parents de ouf. Oui parce il s'en que occupe il... mais ils ont il des est quand même quasiment jamais parti de la maison. C'est vrai. Et moi j'imagine genre t'imagines t'as vécu genre on va dire 30 ans chez tes parents. Mais après, pour vivre en couple et tout, ça doit être super dur, en vrai. Ça dépend ta mentalité. Tu vois, par exemple, je vois mon frère qui a... Il a 26 ans, maintenant. Mmh. Il a toujours vécu chez mes parents. Du coup, mes parents sont séparés, donc il va chez l'un, ouais. Chez l'autre. Mais par contre, bah là, il cherche... Enfin, maintenant qu'il a un taf et tout stable, il se cherche un appart. Je sais qu'il aura aucun souci à vivre ouais, seul. Ouais, ça dépend, quoi. Ouais. Ouais. C'est vraiment, ça dépend de ta mentalité, mais mon frère, c'est pas le genre de personne où je sais qu'il va pas savoir se faire à manger ou des trucs. Ouais. Parce que tu vois, je me dis, niveau. C'est pas égoïsme méchant, mais tu vois, habitude seule et tout, avoir un appartement, c'est quand même très différent et ouais. Des fois, ça peut être très très dur au départ, hein, quand t'es pas habitué à ça. Ah, je suis tout à fait d'accord. Hein. Moi, je sais que. En plus. Nos parents, pour le coup, se sont beaucoup occupés de nous, dans le sens ouais. Où ils nous laissaient pas trop faire de tâches ménagères, à part les poussières et l'aspiration. Moi, je suis arrivée à 17 ans, je suis partie en fait à la fac, et du coup j'avais un appart, c'était pas un appart étudiant, c'était une coloc. Je savais pas lancer une machine à laver ou un truc comme ça, quoi. Ah ouais, ouais. Parce que ma mère m'avait jamais demandé de faire ou des trucs du genre. Ouais, logique. Mais ça encore, tu vois, ça va, t'apprends ouais. Sur le tas. Moi, c'est vraiment la cohabitation. Que genre en couple et tout comme ça en dehors c'est cool, mais cohabiter avec une personne c'est tellement différent que des fois ça peut être vénère ouais. Tu vois, quand t'as pas les codes sociaux on va dire. Ouais mais ça les codes sociaux tu peux quand même les avoir facilement parce que bah tu... Ça dépend de ta mentalité effectivement. Ouais voilà. Parce que tu peux être un con et jamais changer hein. C'est vrai. Oh tu vas rentrer là-haut. Ouais. Mais c'est à cause du chat. Il va absolument venir sur moi. Ça y est, c'est allongé. Castiel, il a tendance en fait à... Comme il veut pas nous faire mal, il met pas les griffes en fait pour se déplacer sur nous. Ce qui fait qu'en fait il glisse de ouf. C'est trop stylé en même temps, mais... Allez. Non. Alors ça pour le coup ça me dégoûte vraiment. Mais c'est tellement ça Drari, genre le boss, ouais first try du boss, ça marche, pas de soucis. Par contre, si on fait une prédiction sur est-ce qu'Alza va réussir à rentrer le petit caillou dans le trou, bah j'ai perdu hein. C'est terrible attends. Non mais à ce stade tu peux pas juste le prendre toi avec tes petits bras, ça ira pas plus vite.
terrible ce qui vient de se passer. Un arfoyeur. C'est vraiment... Ah, j'ai retrouvé ma voix, c'est cool. Ouais, attends, deux secondes, je chasse un truc. Laissez-moi deux secondes. Il est où? Là, il y a... Non, ça c'est pas Castiel, ça c'est un panier. Non, 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 moi je veux rester sur papa. Non mais c'est ouf. Sérieux, les épaules? Oh, c'est dingue. Bon bah, reste là, moi ça me va. J'adore quand il a le problème, c'est que je gueule beaucoup, donc Ouais. Ça c'est vraiment le truc le plus compliqué pour les chats, c'est que je gueule énormément. Pas contre eux, hein, mais contre tout. Contre... contre le jeu, d'une manière générale. Et que bah, du coup, ça leur fait peur. Eh ouais. Rogue too. Bah, je me dis que là, il y a des genres de ruines, peut-être qu'elle est là, tu vois. Mais c'est jamais endormi encore sur mon dos. Enfin, sur mes épaules. En même temps, vaut mieux pas, parce qu'il il a une stabilité toute relative. J'avoue qu'il est un peu nul à chier. Donc, à mon avis, il se casserait la gueule s'il s'endort. Carrément même. Waouh. Je veux dire, le nombre de fois où il a failli se péter la gueule parce qu'il s'endormait et qu'il a voulu rouler sur le côté alors que le côté c'était du vide. C'est vrai. Ruine de l'Est. Ah merde, Est. C'est pas l'Ouest que la quête. Merde, c'est l'Ouest. Je me suis trompé. Fuck. Oh, y a un truc ici à faire. Attends. Non. Moi, je pense que c'est une très jolie décoration. Bon, j'ai compris. On s'est un peu trompé. Ah, mais c'est vers là, regarde. Ok, putain, rien à voir avec la zone, quoi. Terrible. Oh là là, quel enfer. Bravo, hein. Mais là, il est calé, hein. Ah ouais, il est calé. Hein. Il est calé de ouf. Il fait le semi-dodo. Putain, il est 20h. Eh ouais. L'heure de la bouffe. Castiel bouffe, miaou. Alors, on va aller vers le vert. Il me faudrait un morse, hein. Ce serait plus rapide. Ou les bottes du mec, mais j'ai pas retrouvé le gars, tu sais, qui est chiant oui, sur les qui meufs. Ah oui, celui qui court autour. Ouais, pour essayer de choper des meufs. Pour le sable, parce qu'en fait tu peux courir plus vite dans le sable. C'est trop drôle d'avoir Castiel comme ça allongé. Il est vraiment allongé en mode... Ouais ouais. En mode... dodo quoi. C'est dingue. C'est dur parce qu'en stream je suis vachement expressif et tout, c'est compliqué hein. Je suis vraiment pas un homme à charme. Je dis ça mais regarde comment il est avec toi quoi. Ouais je sais mais... Non, c'est pas ça, c'est... C'est ça. Comme ça. Ouh. Oui, c'est une écharpe. Trop classe. Wow. Ouh, oh, oh. C'est pas là, il y a des... Il y a des ruines. Non, il y a que des méchants. Là. C'est bien, du coup, on a chacun notre chat. On a Luna qui est vachement proche de moi et Cassiel qui est vachement proche d'Alzaï. Ouais, c'est grave. Parfait. Ça, c'est trop cool aussi. J'avoue que pour le coup, ça aurait été les deux, tu vois, pour un seul, c'est frustrant. Enfin, c'est super frustrant, ouais. Quoi. Bon courage, Kitsu, hein. Ouais, bon courage, Kitsu, et bon courage pour demain, surtout. T'as bien raison. Voilà, de toute façon, on finit cette quête et je pense qu'on stop. On a déjà bien avancé. Par contre, on l'a torché le donjon, je me dis. Oui. C'est ouf, hein. Non! Non, 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 non. On prend en toi, Kitsu. Ouais. Autant que moi pour ce mal, d'accord. Oh, de la bombe. C'est de la bombe. Baby. Ouais, mais j'ai pas envie de me le faire maintenant. Vraiment, genre... Ça me hype, hein, je mais... pense que ça fait partie de la quête, non? Parce qu'ils ont dit qu'il y avait des mal d'accord là-bas. Là où il y avait la meuf. Ouais, je sais pas, hein. Elle a l'air vachement plus loin que ça, en vrai. Non? Je suis pas sûr, hein, Vix. Elle est pas. Enfin. Ouest. Bah, y'a des chances qu'il y en ait au moins un là où elle est, parce qu'ils ont dit qu'il y en avait plein. Ouais. Alors, c'est peut-être pas celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tempête de sable.
Ah ouais? Oui. Wow. Oh, je l'ai défoncé. Bonsoir, qui c'est qui? Salut. Comment ça va, qui c'est qui? Oh. Attends. Non. Non. On n'est pas là. Ah oui, effectivement tu as froid, Alzaï. Ah putain, ouais. Merci, Kemnor. J'ai froid? Oui. Putain, ouais. Putain, merci, je... Ouais. J'étais en train de prendre cher. Merde, mais je vois pas où. C'était un bonsoir très énergique, du coup, qui c'est qui? Ouais, c'est bien aussi, c'est bien l'énergie. je suis emmerdé, je... Je suis emmerdé, hein. Ah, Ah là là, ça me rappelle la télé de mes grands-parents, tu sais. Ça existe plus maintenant. Énorme, putain, cette rêve. La forme à une semaine du bac. Oh, mais c'est... sérieux, on y est déjà? Bah, il y a le... Il y a le bac blanc, je crois. Oh, c'est ouf. C'est le bac blanc, là, mars. Ah oui, une semaine du bac... Le bac, c'est au mois de juin. Je crois. Ah ouais, ça remonte à longtemps pour moi. Tiens, mange tes morts. Putain, mais je cherche... Je suis dans la merde, il y avait un truc par là, mais... Je vais pas le trouver, hein. Là, c'est ça. Je l'ai trouvé. Le bac, c'est le 20 et 21 mars avec la réforme. Ah putain, c'est vrai que c'est les... Non, tu déconnes. Attends, non, c'est vrai ou pas? Enfin, oui, je vous crois, mais... Oui, c'est à cause des O3C et tout. Non. Genre, t'as le bac bien avant. Oh putain, c'est vrai qu'il y a eu cette réforme de merde. C'est super vénère. Mais c'est un truc de fou. Bah, courage, hein. Tu es une fée? Un ange venu m'emmener au ciel? Je n'y vois plus rien. Tout se brouille. Je crois que c'est la fin. Vas-y, reprends-toi, ça fait deux fois quand même, meuf. J'ai droit à une dernière volonté. J'aimerais t'en mordre à pleines dents dans la fraîcheur d'un Durian Max. Durian Max. Durian Max. J'en ai. Oh, petit ange, avant que tu ne me mènes aux cieux, pourrais-je croquer dans un dernier durian? Juste une bouchée de durian Max, rien de plus. J'en ai... Non, je les ai utilisés, non, sérieux? Non, bro, ça se fait pas, ça. Non. Oui, oui, on meurt là, actuellement. Oh, putain, je suis désolé c'est pour c'est vénère vous. De ouf, hein. Je suis désolé. Courage pour votre bac, hein. Ouah, ça me choque trop, en vrai. 20-21, c'est tellement vénère. Ouais, bah, en fait, nous, l'année où il y a eu la réforme, il y a eu la... Il y a eu le Covid. Donc du coup, en fait, ça a été annulé sur la première... Ah ouais? La première vague des E3C a été annulée, en fait, parce que c'était trop le bordel. Oh putain. Mais non, mais c'est trop violent. C'est attends. Ça. C'est... Mais vraiment, de toute façon, tout le monde était contre cette réforme de merde. Hein. Ouais, tu demandes aux profs ou au personnel, en fait, enseignants, tout ça, on était tous contre. Ouais. C'est juste l'éducation nationale, ils étaient tout seuls à vouloir la faire cette réforme. Bon, ils font comme d'hab, hein, ce qu'ils veulent. Oui, c'est ça. C'est, bah, c'est-à-dire de la merde. Voilà. Pouah, les mots sont dits. Oui. Très bien. Oui. Il y a eu ouais. Quoi? Voilà. Je crois que t'as froid, non? Ouais, mais en fait j'ai mis une combinaison de cache-cache pour faire de la merde. Ah, t'es en train de mourir? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. D'accord. Les petites fées là, c'est important. Oh, c'est bon. On va remettre la chaleur dans mon corps. Ah oui, c'est bon. Ok. Non mais déjà que alors, en fin d'année j'étais pas prêt pour le bac mais ouais, j'imagine même pas en milieu ouais, comme ça. Voilà. C'est un truc de malade en vrai hein. Quand t'y penses ouais l'idée de con. Oui. Ouais. Courage. Bon on se fait la fée. Ouais. Allez, on la s'est gourmande. Fait. Homme, jeune homme, écoute ma requête. Vas-y hein, écoute.
Je suis la grande fée Terra. Autrefois, cet endroit était une fontaine resplendissante. Mais au fil des ans, les dons de rubis se faisant plus rares, je me suis affaiblie au point de me retrouver dans cet état. Les gens sont devenus pauvres et ça m'a foutu les boules. Alors, je t'en prie, offre-moi quelques rubis. 1000 rubis devraient suffire. Ouais, large, tranquille, franchement, ça va. Dès que j'aurai recouvré toutes mes forces, je suis sûr que je pourrai être utile. Allez, si tu as des rubis, donne-m'en vite. Pour retrouver toutes mes forces, il me faut encore 1000 rubis. Tiens, vas-y. Bon, merde. Merci. J'en avais besoin. Oh, je sens une puissance débordante! Ah, je veux bien, Kemner, ouais, c'était une technique pour mourir. Yo! Quelle affaire! Ah, je te prie de m'excuser. Je suis Terra, l'aînée des 4 sœurs fées de la Terre. Depuis mon bourgeon, j'ai observé tous tes exploits. Je t'ai vu courir en tous sens et pourfendre 1000 ennemis. Tu étais vraiment impressionnant. Non, je n'invente pas d'histoire. Je peux vraiment tout voir. Pour preuve, je vais deviner ce que tu penses en ce moment même. Même aux toilettes. Terrifiant. En ce moment, tu te dis... Est-ce qu'elle va renforcer mes vêtements au lieu de raconter sa vie? Je me trompe. C'est tellement ce que je pensais, moi. Eh bien, on dirait que je ne me suis pas trompée. Arrête de me répondre comme ça, ça me fait flipper. Très bien. Merci. Montre-les-moi donc ces vêtements. Oh putain, mais c'est du cul. Si tu possèdes les matériaux adéquats, je pourrais les renforcer. Putain, à quel moment ça a pris une tournure porn, la fée? Toujours. Ok. À l'heure actuelle, je peux rendre tes vêtements très résistants. Est-ce que ça t'intéresse? Oh, j'ai pas le choix. Quels vêtements dois-je renforcer? Non! Non! Putain, il me faut une corne de linelle. Non! Ah, fait chier. Ah, c'est la loose, là. Hein. Après, je peux faire ça, au moins. La paire de choses furtives, c'est ça que je dois renforcer? Entendu. Bien. Ferme les yeux! Oh. La 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 la! Et voilà, c'est parfait. Je m'étonne moi-même. Tu es terrible. Ça lui va bien en vrai. Oh, tu me fais bailler, arrête. Regarde le stream, joue. Mon dernier vêtement. De toute façon, là, on s'arrête après ça, là, c'est bon. Hein. On est d'accord. Bien avancé, déjà. Oh, oh, oh. Vision de ténèbres. Explosif sur moi? Certaines de mes sœurs... Oh putain. Ah, désolé, ah merde. Ah, j'ai pas respecté, désolé. Fais voir Kemner, je vais essayer. Effectivement. Il met du temps à choper. Ah, bien joué, Kemner, bien joué. Bien joué de ouf. On fera exploser notre personnage. Bon. C'est plus simple. Merci Loulou68 pour le follow. Bienvenue! Bienvenue. Tu arrives à la fin, mais. Enfin, peut-être pas, mais pour le follow, oui. En tout cas, j'espère que le stream vous a plu. C'était encore un banger, je trouve.
comme toujours. Ouais, franchement, c'était vraiment sympa. Même le fait d'avoir fait un double stream, tu vois, ouais. En mode discussion au départ, puis ensuite. On se posait sur le jeu. Ouais, non, franchement, c'était très très sympa. Franchement, très sympa, ouais. Non, je regarde un petit peu là s'il y a un petit raidou à faire. Raidouné. Je suis fatigué, je vais pas rester longtemps pour le raid, mais. Qui est-ce qu'il y a ? Il y a Bisou en. Découverte de Vorax. Qu'est-ce que c'est Vorax ? Attendez, je regarde vite fait. Be right back. Ah merde, il revient bon après. App. Ah ouais. Pause miam et full découverte tonight. À 18h30 À 19h30, ouais, ça fait une demi-heure. Ouais, il revient à 20h15, je crois. Ah. Dans 3 minutes. Ouais, mais je serai pas de retour. Ouais. Il y a Shiraza qui nous avait fait un raid la dernière fois, que ce serait peut-être bien, je suis plus sympatoche. Pas beaucoup de gens là. Hein. Oh, je suis fatigué. Top. Ouais. Top. Des gens, désolé sur ce, des bisous. Pas de raid ce soir parce que je suis éclaté en vrai. Merci beaucoup pour ce live de qualité. Merci de nous dire ça, franchement, ça fait merci, très plaisir. Merci, vous êtes également des viewers de ouais, qualité, sachez. De qualité. On est content que ça vous ait plu en tout cas, vraiment.